Déjà 20 ans pour le service d'incendie de la ville de Grimby. Félicitations. Des fois, on prend ce service-là un petit peu pour acquis et dans le paysage municipal, depuis longtemps, les camions de pompiers se promènent lorsque des enjeux majeurs, des incendies majeurs, mais c'est un service qui est essentiel pour la population. On le voit lorsque des catastrophes qui arrivent, on est toujours content de pouvoir compter sur nos pompiers, nos pompières qui sont toujours là. Mais c'est aussi un service qui agit à titre de prévention. Ils sont là pour aller faire le tour à l'occasion des écoles, sensibiliser les jeunes, faire partie des fêtes de quartier, faire le tour au niveau des maisons pour s'assurer qu'elles sont équipées correctement. Je tiens à les féliciter et les remercier pour le travail essentiel qu'ils font jour après jour. Bonjour, cet anniversaire est particulièrement important pour moi. J'ai servi la population en tant que policier durant de nombreuses années, 35 ans. J'ai vu naître le service des incendies. J'ai été aux premières loges pour le voir devenir ce qu'il est aujourd'hui. Travailler avec les pompières et les pompiers de Grenoble a été pour moi un réel honneur. J'ai été témoin de leur courage, de leur éthique de travail. Et de leur professionnalisme. Nous avons raison collectivement d'être fiers de ce service qui veille sur nous depuis 20 ans. Je termine en les remerciant chaleureusement, sans jeu de mots. Bon matin. Alors, il me fait plaisir de me joindre à Madame Bourdon ainsi qu'à Monsieur Riel pour vous dire la fierté que je ressens à l'idée que notre service incendie a maintenant 20 ans. Il y a 20 ans, j'y étais. J'ai eu donc la chance de voir grandir notre service incendie au cours de ces 20 années. Je suis très fier de notre service incendie. Je suis très fier de dire également que notre service incendie contribue à faire de Bay ce que nous sommes, une ville rayonnante, par l'implication que nos hommes et femmes au service incendie font dans la communauté à travers les différentes activités communautaires. Vous faites rayonner la ville. Merci. Bonjour tout le monde. Le 11 mars 2002 débutait le service des incendies formé uniquement de pompiers et pompières tels qu'on le connaît aujourd'hui. Toutefois, depuis cette date, beaucoup de changements et d'innovations ont été réalisés afin d'assurer la sécurité des citoyens et des citoyennes de Granby. C'est fou ce que l'on peut faire en 20 ans. En ce 11 mars 2022, nous sommes une organisation mature qui est fière du travail accompli au quotidien par l'ensemble de notre personnel, tant au niveau administratif, opérationnel que de la prévention des incendies. Aujourd'hui, je souhaite célébrer le 20e anniversaire du service des incendies, mais aussi remercier de façon toute spéciale 17 employés qui célèbrent également leurs 20 ans de service dans notre organisation. Depuis le tout début, vous avez contribué au développement du service des incendies et à la protection des citoyens et citoyennes de la ville de Grimby. Je trouve remarquable votre implication et votre dévouement envers l'organisation. Merci pour le temps et les efforts que vous avez consacrés au service depuis 20 ans. Je vous lève mon chapeau. Pour les années à venir, notre équipe désire progresser tout en maintenant la qualité des services que nous offrons à la population. Vous travaillez fort depuis longtemps pour y parvenir et je suis heureux de pouvoir compter sur vous. Sans votre dévouement quotidien et votre travail acharné, notre organisation ne sera pas celle que nous connaissons aujourd'hui. En terminant, je vous remercie d'être aussi passionné, de croire en notre organisation et de la faire grandir. Bon 20e. La bibliothèque Polo Trépanier, c'est plus qu'un lieu, c'est un concept. Un concept de liberté intellectuelle où s'expriment la réflexion, la création et le partage. Un concept où des fibres individuelles composent un tissu social varié, unique, pour former une communauté où les histoires prennent vie. À travers ces histoires se racontent les chapitres d'un milieu de vie accueillant, dynamique et inclusif. des jours, ces récits sont une source d'émerveillement, d'amitié et d'échange. Évoluant au rythme de l'ère numérique, votre bibliothèque vous accompagne. De l'étagère au salon, du papier à l'écran de l'aube à l'aurore. Votre univers vous suit, faisant fi du temps et de la distance. Votre histoire se révèle beaucoup plus que par des mots, elle se raconte à travers des moments. La Bibliothèque Paulo-Trépanier de Bay, racontez-vous. Aujourd'hui, nous allons tester vos connaissances sur un sujet encore trop méconnu du public, l'avertisseur de fumée. Et là, je sais ce que vous allez me dire. Ben là, c'est facile. Ben, vous seriez surpris. Je suis en compagnie de Jackson. Quel est ton niveau de connaissance, toi, en prévention incendie? Expert! As-tu des avertisseurs de fumée, toi, à la maison? Ben oui, là, tout le monde sait ça. Effectivement. Un avertisseur de fumée est obligatoire dans chaque résidence et à chacune des étages. Il doit être installé à moins de 5 mètres des chambres à coucher. Au plafond, ou sur un mur à une distance de 4 à 12 pouces, ou 10 à 30 cm du plafond. Nous entendons encore trop souvent les gens dire qu'un avertisseur de fumée électrique est bon à vie. Comment? Qu'il soit électrique ou à pile, un avertisseur de fumée a une durée de vie de 10 ans. Quand doit-on changer les piles de l'avertisseur de fumée, Jackson? Au changement d'orge très important. Sur ce, je vous laisse aller vérifier vos avertisseurs de fumée. Et n'oublie pas, le responsable, c'est toi. Bonsoir à tous et bienvenue à cette séance ordinaire du lundi 20 février 2023. Donc, euh, le point 1, ouverture de la séance, et adoption de l'ordre du jour. Donc, c'est proposé par M. Giard, appuyé par M. Goulet. Avant de débuter la première période des questions des citoyens et citoyennes, euh, vous savez, le Conseil municipal a travaillé dans les derniers mois sur une planification stratégique et on souhaitait prendre l'occasion de cette séance-ci pour venir présenter euh, la planification stratégique euh, qui a été travaillée par le Conseil municipal. Donc, on se rappellera, il y a quelques années, on avait développé une vision avec différentes aspirations, et cette même vision-là demeure et elle reste. Donc, on se rappellera cette grimpée naturelle et audacieuse dans son expérience humaine. C'est encore vrai aujourd'hui, mais on souhaitait revoir certaines aspirations pour qu'elles cadre un peu plus euh, avec les enjeux d'aujourd'hui, avec les besoins de nos citoyens, donc euh, avec tous les enjeux post-COVID, euh, la nouvelle vision du Conseil. Donc, on est venu travailler des nouvelles aspirations qui euh, prennent en compte les changements climatiques, la densification, le développement économique social et la gestion des actifs. Donc, la première, aspira la première aspiration, préserver la richesse des milieux naturels face aux changements climatiques. Donc, qu'est-ce que ça signifie, cette aspiration-là? Ce qu'on souhaite comme Conseil municipal, c'est de protéger et valoriser nos milieux naturels, c'est de faire un développement responsable de notre territoire et bien sûr de reconnaître les bienfaits des milieux naturels pour les générations futures. Puis, par exemple, dans les projets euh, qui sont en lien avec cette aspiration-là, il y en a déjà qui sont entamés. Euh, on pense au plan de conservation des milieux naturels, à la protection de certains milieux, d'ailleurs, comme la terre Chasco, ou au plan d'adaptation au changement climatique qui va se travailler euh, dans les prochaines années. La deuxième aspiration que vous allez voir apparaître, « Faire de la densification une possibilité de développement durable ». Donc, ce qu'elle signifie, cette aspiration-là, c'est qu'on souhaite créer des milieux de vie, avoir une belle accessibilité euh, au niveau de notre développement, de, de notre aménagement du territoire, donc euh, au niveau de la mobilité, d'avoir des services de proximité et aussi d'avoir aussi une accessibilité financière euh, pour, pour les logements. Donc, le tout en harmonie avec le développement local. Donc, par exemple, lorsqu'on parle de faire de la densification une possibilité de développement durable, dans les projets qui sont en cours ou qui sont en train d'être faits, on parle d'ailleurs du plan de densification, on parle de la politique habitation, des différents projets de logements abordables que la Ville a mis en place, euh, dont celui sur la rue euh, Simons qui, euh, avec l'OMH ou la policy Et il euh, y, y en aura d'autres aussi qui seront à venir, bien entendu on l'espère à tout le moins. La troisième aspiration, c'est que la ville souhaite être un leader régional en matière de développement économique et social. Cela signifie beaucoup, parce que c'est quand même un, c est, c est un rôle déterminant qui, qui englobe plusieurs enjeux au niveau de la municipalité. Que ça soit d'attirer de la main-d'œuvre qualifiée, d'avoir autant une ville sécuritaire, d'être un chef de ville en matière d'inclusion et de diversité, de faire du développement culturel, sportif, loisirs, et euh, bien sûr d'avoir un développement économique, d'avoir une belle vitalité économique. Donc, dans les projets qui sont liés à cette aspiration-là, par exemple, on parle du pôle universitaire. On parle de la stratégie de développement économique, euh, de l'animation au centre-ville, du transport en commun, du palace, des différentes politiques en cours, donc la politique des sports, la politique culturelle. Donc, c'est des projets qui sont liés à cette aspiration. Pour la dernière aspiration, c'est offrir des infrastructures et des services de qualité pour le bien-être collectif. C'est là on sait on comme ville une de nos premières responsabilités c'est aussi de gérer des infrastructures. Oui, on pense souvent aux routes, mais c'est aussi des infrastructures de bâtiments. On le voit d'ailleurs le centre aquatique. C'est de faire une gestion responsable de nos différents actifs qu'on a. Donc euh, ça peut être des aménagements de parcs, d'espaces verts, on parle des routes, donc favoriser la mobilité durable, euh, offrir une de qualité. Hein. On sait, un de nos gros projets euh, qui s'en vient, c'est la centrale de traitement des eaux qui va être à refaire. Donc les infrastructures, c'est majeur dans une municipalité. On a d'ailleurs euh, travaillé sur le plan directeur des parcs et il y aura éventuellement un plan de mobilité active qui sera aussi présenté à la population. Donc, c'est important aujourd'hui de venir présenter ces différentes aspirations-là qui vont être aussi disponibles sur le site Internet de la ville. Donc, vous pourrez aller voir la planification stratégique. Comme mentionné, ce qu'on souhaitait, c'était vraiment de s'arrimer avec les enjeux d'aujourd'hui, avec la nouvelle vision du Conseil. Puis les projets qui sont travaillés aussi euh, dans les dernières années cadrent dans cette planification-là et cette aspiration-là. Donc, c'était euh, important pour nous, puis on le fait d'ailleurs aussi pour avoir une belle qualité de vie et pour les générations futures. Donc, euh, comme mentionné, sur le site Internet, vous pourrez aller voir l'ensemble de la planification stratégique. On va retourner à notre ordre du jour. Donc, on va, on, dé, on va débuter, pardon, avec notre première période de questions des citoyens, et des citoyennes. Donc, s'il y a des gens dans la salle qui ont des questions, vous pouvez venir au micro, euh, nommer votre nom, votre district. Et s'il y a des gens à la maison qui veulent envoyer des questions, peuvent le faire par courriel, comme à l'habitude, à questions au pluriel à commercial Donc, on va débuter avec les questions dans la salle. Bonjour à tous. Mon Bonjour. nom est Claude Archambault. Euh, je suis né l'autre mais là, je reviens pour un autre. Un peu la même chose encore, C'est que je pense qu'il y a un problème dans votre système informatique actuellement. Je pense que je connais la solution, là. Puis, même demander à votre, à votre technicien en système informatique, puis je pense qu'il va arriver à la même conclusion que moi. Ça fait que l'autre soir, je vous avais envoyé un courriel. Le courriel il a été... Il a été pas mal biffé. Je vais tout vous le lire ce soir. Vous verrez la différence avec l'autre soir. Étant donné que je n'ai pas encore reçu de réponse à la pétition que je lui ai apportée accompagnée des commentaires suivants, soit insensé, inutile, non sécuritaire, idiot, imbécile, stupide, ridicule, illogique, gros joke. Ah oui, si la pétition a été perdue ou détruite, j'en possède une copie. Euh, ça, c'est quand j'ai ramassé la pétition. Ça, c'est les commentaires que j'ai ramassés des personnes qui ont signé la pétition. Parce que les stops où j'étais, c'était un gros zéro puis une barre. Suite à un silence total d'une quinzaine de minutes, M. Robichaud s'est levé brusquement et m'a dit Je vais te reconduire à la porte et murmurer quelque chose d'autre que je n'ai pas compris. Il s'est dirigé rapidement vers la sortie. À cause de mon âge, je ne pouvais le suivre. Lorsque j'ai vu la pancarte sortie, je lui ai dit « Merci, je suis capable de lire. Euh, » Quel bel accueil! Et oui, Monsieur Robichaud m'a laissé un message. À l'effet, parce que Mme la m'avait dit que Monsieur Robichaud m'avait parlé. Il ne m'a pas parlé. Il m'a laissé un message sur mon répondeur. Euh, à l'effet que le panneau biodéviateur que j'avais demandé ne s'appliquait pas. Ça, je ne me souviens pas d'avoir demandé ça. Là. Moi, pour ma part, je demandais des panneaux à sens unidirectionnel. Comme je ne suis pas familier pour moi, je voulais dire des panneaux de contournement. Aussi, M. Rubichot m'a dit que je ne pouvais demander des révisions avant deux ans. Chose très curieuse, ces deux panneaux de stock ont été revisés seulement après deux ou trois mois d'installation. Euh, deux règles de mesure. Actuellement, je puis vous dire que le stop situé au coin sur le terrain du 15 rue Giroir est stupide. Ré réellement, un panneau de de passage aurait aurait été amplement suffisant. Aussi, Madame la mairesse, l'autre soir à l'Assemblée du Conseil, vous avez dit que vous regardiez la fluidité, la sécurité de la circulation. Je crois que vous avez raté une belle occasion de mettre l'énoncé en valeur, parce que finalement, je crois que toutes ces règles-là, c'est adopté par le Conseil, là, quand, quand on décide de mettre des stops à telle place, ou c'est juste le comité qui décide? Non, c'est adopté par le Conseil. OK, merci. Je, je vais continuer, je m'excuse. Euh, question à Mme la mairesse qui paye pour ces erreurs? Parce que les premiers stops qui ont été installés, c'est une erreur. Qui, qui, qui a payé pour ça? Je n'ai pas eu de réponse. Étant donné que M. Riel fait partie du comité de circulation, Comment se fait-il qu'à l'intersection de la rue Saint-Charles-Sud et Notre-Dame, qu'il y ait seulement qu'un panneau indiquant stop à quatre faces aux quatre, ou aux quatre coins? Ce panneau est situé sur la rue Saint-Charles, faisant face à la rue principale. Je vous remercie beaucoup. Ça a été corrigé. Là, il y a quatre panneaux. Je vous en remercie. Là, j'aurais une autre question là, ce soir. Puis, probablement, il y a des policiers ici. Euh, quand il y a un panneau rouge en bas d'un stop, j'ai demandé la question à une dizaine de personnes, de citoyens. Ils m'ont tous répondu à l'unanimité que ça voulait dire un panneau rouge carré, là, en dessous d'un stop, ça voulait dire que c'était soit un stop à quatre faces, je ne sais pas si vous comprenez l'expression, ou à trois faces. Mais là, on a commencé à en mettre à deux faces. Ça veut dire que le monde qui arrive là, qui voit le panneau, puis qui ne lise pas le panneau, là, mais la rue transversale là, que vous allez croiser ou engager, là. Bien, ils n'ont pas de stop. C'est un vrai danger. Bien mieux pour mettre ça, ce panneau-là, ils avait déjà un, un panneau de stop. Il y avait déjà un stop. Pour moi, mettre un autre panneau avec un bébé stop là, puis un autre bébé stop pour dire qu'il y a un, un moment stop au-dessus, là. Je comprends pas cette affaire. C'est juste une affaire pour. C'est mm -hmm. confusant, premièrement. Puis deuxièmement, si c'est la nouvelle règle, vous allez être obligé d'en installer partout où il y a des intersections dans la ville de Grimby. Je vous remercie. Sur ça, j'espère qu'il va y avoir des correctifs d'apporter de ou des explications pour ça. Mais Merci. Si on en prend note, mais normalement, sachez qu'au niveau de la circulation, il y a des règles qui sont respectées, que ce soit ceux du MTQ. Donc, on respecte les règles qui sont en vigueur. C'est l'histoire du deux faces, c'est quoi? quoi votre opinion? Bien là, moi, je n'ai pas d'opinion sur l'histoire à deux faces. Ce que je peux Alors, dire, c'est qu'il y a une... Peut-être M. Riel, pour un ancien policier, pourrait peut-être dire « stop à deux faces avec le panneau ». Ça pose la confusion. Actuellement, là, il y en a d'instruits... On va s'assurer qu'il n'y ait pas de confusion. C'est-à-dire? Bien, on, va, on, va, on va vérifier, s'assurer que soit on en met euh, partout ou qu'on s'assure qu'il n'y ait pas de confusion. On va regarder quest ce qu'il y en a. Je n'ai pas la réponse au niveau ce soir. C'est quoi la règle au niveau des MDQ? Savoir, euh, -tu deux, euh, quand deux quand en a deux, on en met ou quoi? J'ai l'impression -ce que c'est quand on change les stops qu'on en met pour, euh, pour s'accorder. On va vérifier ça. Allez-vous rajouter face, euh, stop à une face? Mettons, il y a un thé, puis il y a juste un stop là, dans le mm. bas du thé. Mais tu sais, normalement, la... c'est certain que lorsqu'on prend la route, il faut s'assurer d'être en mesure de bien voir. On s'attend sa... aussi à ce que les citoyens soient capables de regarder comme il faut les affiches qui sont là, hein? normalement. Si la lumière on... est vert, il pas bon de marquer vert. Là. On voit qu'il mm. est vert. Ça, je comprends ça. Mais quand il y a un stop, tu n'es pas obligé de remettre un autre petit panneau en dessous qui porte la confusion pour dire qu'il y a un stop là. Ça, c'est ça actuellement, là, le problème du stop à deux faces. Il y a un autre petit stop en dessous qui dit qu'il y a un gros stop là, puis il y en a un autre au-dessus qui dit qu'il y en a un par le bas. Puis là, il y a une belle ligne blanche qui dit qu'il n'y a pas de stop. Mm -hmm. Ça fait que la personne qui s'attend à avoir un 4-stop ou trois stop va arriver là, puis pas trop pas attention à ça, il va s'engager ou avoir un accident. Mm -hmm. bien, en fait, c'est les règles à conduite. Là. Donc, euh, lorsqu'on passe ben, des tests de permis de conduire, c'est bien indiqué pas, de suivre ces règles-là. On prend un je vous comprends. En fait, si Merci beaucoup. Merci. Bonne soirée. Est-ce que d'autres questions dans la salle? Oui. Bonsoir, madame. Bonsoir. Bourdon. Bonsoir, mesdames et messieurs. C'est Jawad Bah, Ce soir, c'est juste, s'il vous plaît, pour vous dire, je pense, que je vais suivre la même thèse que monsieur vient de présenter. Aussi, on a un, notre ville, c'est un diamant, madame Bordeaux. Avant-hier, j'étais à Saint-Hyacinthe. Mais je vais critiquer par la suite. J'étais à Saint-Hyacinthe et j'avais hâte de rentrer à la ville de grimby Par contre, Madame Bourdon, euh, comme on dirige la, la vitre de la ville de Granby, c'est les grands axes, la, la rue de, principale, à partir de Saint-Charles, ou je ne sais pas, côté de Tumantan, vers le fond. On a les nids de pôle, donc on conduit, donc euh, c'est vraiment incroyable. Alors, si on essaie de réparer, par exemple, ça, Mme Bourdon, euh, Boulevard Leclerc aussi, donc les grands axes de notre ville, la vitre de notre ville, c'est ça. Si on répare ces axes-là, les hommes d'affaires, ils passent par là, les universitaires, ils passent par là. Donc, s'ils trouvent que la ville, c'est un village, je ne pense pas. Que ça va encourager. Donc, ça, effectivement, en fait, oui, comme vous m'avez posé une question, je vais répondre. Donc, euh, il, y a, il y a effectivement eu des nids de poules, bien entendu. On voit avec les changements de température euh, qu'il euh, y a des nids de poules qui se créent plus tôt dans la saison et tout. Donc, on essaye, euh, on essaye de, de réparer ce que c'est possible si la température le permet. Puis, euh, est ça. on est en saison hivernale et avec les changements climatiques, vous savez, ça ira pas en s'améliorant, euh, malheureusement. Donc, donc, on va, on va, on va regarder le tout, mais sachez que les gens des travaux publics effectivement priorisent les axes, euh, les axes euh, majeurs. Merci. Ouais, et euh, juste pour comme une petite remarque pour votre voyage au Danemark et la Suède, bah ben, ça fait trois jours là que je me suis entretenu avec mes amis euh, élus municipaux à la Suède aussi, donc ils nous suivent depuis 2019 ici et. Euh, au contraire, ce ne sont pas un modèle pour nous, c'est nous qui sommes modèles pour eux. Par exemple, aujourd'hui, il vient de recevoir la ministre des Affaires sociales et quand je discute avec eux, ils disent ce qui se passe ici à la ville de Granby, c'est incroyable. Il m'a dit, nous, on ne peut pas répondre directement aux questions des citoyens comme ça, c'est des surprises. Eux, ça les déstabilise quand un citoyen vient s'exprimer, comme ce qu'on vient maintenant, Madame Bordon, vous ne savez pas avec quoi on va venir à la main. Quelles critique, etc. Au contraire, en Suède, c'est les élus là-bas qui, qui félicitent la ville de Granby pour cette démocratie-là, pour cette face-à-face. -face. La police, est là, les élus sont là, les citoyens sont là. On vient s'exprimer, on s'affronte, mais dans un cadre intellectuel et on avance ensemble. Donc c'est ça, Madame. Et surtout la phrase que j'ai vu qu'on va aller là-bas prendre la Suède comme un modèle pour venir faire des choses ici. Peut-être qu'on va corriger la phrase, qu'on va échanger notre expertise. Quand vous arrivez là-bas, on est compétent aussi au Québec. Et comme il a dit le général de Gaulle lors de son discours à la mairie de euh, Montréal, quand il a dit le Québec libre, il a dit ça va venir un jour et euh, la France. Il va être aidé par Montréal et je pense que c'est le moment. Merci beaucoup. Merci. Bonsoir, Bonsoir. Jean Parent, quartier 6. Bonsoir. Bonsoir. Période de questions, madame Bourdon. Je voulais déjà mentionner, vous deviez appeler ça période de commentaires et de questions. La démocratie repose sur le respect de la liberté et de l'égalité des citoyens. Question. Combien y a-t-il d'Assemblées du Conseil par mois? Deux. Deux. Combien de temps donnez-vous aux citoyens par Assemblée pour poser des questions? Une heure environ. Une heure. Il reste 18 minutes 51 secondes. Donc, on a deux heures par mois pour s'exprimer. Ça n'a pas de bon sens. Vous avez deux heures par mois pour vous exprimer en séance publique, mais on a plusieurs consulta consultations de participation citoyenne qui permettent aux gens, il y a des gens qui peuvent nous rejoindre aussi par courriel, qui côtoient les élus dans la vie de tous les jours. Donc, euh, ce n'est pas seulement deux, euh, quatre heures, euh, non, deux heures par mois où les gens peuvent s'exprimer. À la séance du 16 février dernier, combien y avait-il de citoyens dans la salle ce soir-là? À peu près comme, euh, comme ce soir. Oui, deux, trois. À peu près comme ce soir. Un ouais. hein, peu, disons qu'on a, a eu de la visite ce soir. Là. On avait dix conseillers. J'étais là, la mairesse, onze. Il y avait deux techniciens à l'arrière, comme là. On avait quatre journalistes, puis un peu moins de dix personnes dans la salle. Vous avez parti le, ce que vous appelez votre timer, le chrono. À 29 minutes 43 secondes, vous l'avez arrêté? Pas de citoyen, pas de question. Deux courriels, je pense. Par vos méthodes et votre façon de faire les choses, Madame Bourdon, vous êtes en train de tuer la démocratie. Un principe de base pour une démocratie saine est de pouvoir s'exprimer sur des enjeux sans contrainte, Chronomètre, temps par citoyen, question, pas de commentaires. Ça fait plusieurs séances que j'assiste ici depuis plusieurs années. Puis des commentaires sans question, il y en a. Des fois, des bons. On vient vous féliciter pour les choses que vous faites. C'est correct. Il faut l'accepter. Là, à la dernière séance, on apprend que vous partez en vacances en Scandinavie. Ouais, ouais, ouais. Vous voyez, ici, dans l'article qu'on qu a eu à la suite de cette annonce-là, le 6 février, que vous partez pour une semaine du 21 au 27 mars, vous retournez à Copenhague, une ville qu'on a déjà visitée par le maire Bonnet. Puis c'est ça qui a emmené notre ville intelligente, là, notre centre-ville intelligent ou la piste slave au centre-ville, tout ça. Je m'inquiète. Pourquoi vous retournez là? On n'a pas assez d'expertise ici au Québec là, pour euh, prendre des idées ici. Là. On est obligé d'aller à Copenhague, une ville reconnue mondialement, la seule avantage que je vois de ça, Mme Bourdon, c'est que bientôt, on n'aura pas besoin d'aller à Copenhague. Copenhague va être rendue à grimby Alors, pourquoi qu'on tombe là? Comme mentionné, c'est pour. Vous savez, on est en train de travailler sur notre plan de mobilité active. On veut déployer la mobilité active à travers la ville de grimby Donc, on va aller voir comment ça se passe au niveau des quatre saisons. Comment s'est passé aussi le processus au niveau de l'acceptabilité sociale, de la mise en place des pistes cyclables? Parce qu'on sait que euh, cette ville-là, il y a. Quelques années dans le passé, il y avait beaucoup d'autos et maintenant, c'est environ 25 d'autos euh, qui sont sur le territoire et le reste, les gens se déplacent en vélo, à pied. Donc, ce qu'on souhaite voir, c'est comment sont passés dans cette transition-là. Comment aussi se fait l'aménagement du territoire dans cette ville-là, qui est quand même un aménagement assez précurseur? Ils ont gagné le prix au niveau de l'architecture, euh, ils travaillent euh, sur des projets de logement très environnemental, euh, ils font beaucoup d'économies circulaires. Donc, allez voir tous ces modèles-là, discuter avec les élus, les techniciens dans les différentes villes pour aller chercher euh, ce «input»-là et échanger avec eux, effectivement, nos bonnes pratiques ici. Il me semble que de répondre à tout ce que vous allez chercher. Vous l'avez déjà. Vous me l'avez demandé. Vous le dites déjà. On va aller chercher ça, 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 en tout cas. Là, promesse électorale. Vous avez fait une promesse électorale. Ça a été euh, abordé ici dans la salle à propos de remettre 15 000 sur votre salaire de mairesse. J'étais là le soir que ça a été abordé un peu. puis La réponse n'a pas été claire pour moi. Est-ce que. Ça a été fait. Est-ce que vous avez remis votre 15 000 comme vous aviez promis en, en campagne oui. électorale? Oui, ça a oui. été fait. Est-ce qu'on peut savoir qui a bénéficié de cette générosité-là? La Fondation Je pars du bon pied, euh, Pédiatrie sociale, euh, il y a aussi... Euh, j'essaie euh, de me rappeler la fondation de l'hôpital. C'est plusieurs organismes qui ont bénéficié à différents moments. Euh, épilepsie euh, Grembé, Là, je, je m'en rappelle pas, je m'en rappelle plus tout là. Bon, c'est bien, c'est bien. Ce que je veux savoir, est-ce que c'est pour juste l'année de l'élection ou c'est pour la durée de votre contrat? Il y aura des dons qui vont continuer à chaque année. OK. ceux-là ne sont pas promis. Là. C est, c est, si vous voulez le faire, vous le faites, c'est bien. Vous n'êtes pas obligé d'en faire une promesse électorale. Maintenant, on va parler de patrimoine. Madame Bourdon, est-ce que vous êtes native de Granbe? Non. Patrimoine, définition. Bien de famille, bien que l'on hérite de ses ascendants. Ce qui est considéré comme une richesse transmise par nos ancêtres. Sacage de notre ville. Là, il y a du saccage un petit peu à des endroits, mais saccage de notre ville. Quand M. Bonnet était maire, vous, madame, vous étiez conseillère ainsi qu'à certains membres du conseil ici, d'autres qui n'étaient pas là encore, vous avez détruit la piscine Miner. Vous savez que la piscine Miner, c'est 1934 que ça a été construit, ça. Là, aujourd'hui, on va là, on passe là, là, puis c'est triste à boire, là, triste, très triste. La plaque commémorative, là, qui est en avant, là, qui nous dit qu'est-ce qu'il y avait là, là. Moi, j'avais suggéré qu'on en fasse une piscine extérieure, Des temps donné qu'à Grembé, 70 000 de population exponentielle, on en a une. Oh, si on voulait parler de on peut parler d'Horner. C'est pas grand-chose. En plus, l'Église Saint-Eugène. Vous dites qu'il y a des communautés consultatives pour ci, pour ça, 1800 personnes qui ont fait une pétition, un hommage à Louise Couture-Garneau. Qui a travaillé fort pour sauver l'église les, Saint-Eugène, vendu 400 000, Chut, balayé. Le boisé sur la rue Providence. Moi, depuis j'ai 66 ans, là. ça fait des années que c'est là, ça. C'est des années que c'est là. Ça a tout le temps été là. J'aurais jamais pensé que j'aurais été un jour habité là. Maison des années qui se construit. Là, le marché public. Le marché public, bloc sanitaire. Vous m'avez dit l'autre jour, quand je vous ai posé la question, qu'est-ce qui est arrivé là, ça cage encore? Qu'il n'y a pas de surveillance. Là. À quoi ça sert la fiche et les caméras qui sont là? À après la bâtisse, le bloc sanitaire. C'est écrit surveillance par caméra. Vous m'avez dit qu'il n'y a pas de surveillance. Est-ce que c'est juste une parure ou ça fonctionne, ça, ces, ces caméras-là? Donc, je vais commencer par répondre par rapport au boisé Providence. Comme il a déjà été mentionné par le passé, c'est un terrain qui appartenait au gouvernement et la SQI avait tous les pouvoirs de faire ce qu'il voulait sur ce terrain-là. On a réussi à venir tenter d'amoindrir les choses. Il y a eu des consultations avec les citoyens pendant près de deux ans pour s'assurer et les citoyens avaient une entente avec les citoyens du secteur pour travailler. Mais ce n'est pas nous et le gouvernement avait tous les pouvoirs de le détruire par des lois spéciales sans passer par la ville. C'est ce qui est arrivé au niveau du Boisé-Providence. Au niveau de l'église Saint-Eugène, oui, il y a une pétition de peut-être 1 800 personnes, dont plusieurs personnes qui n'habitent pas Grimby, qui habitent à l'extérieur du pays aussi. Euh, oui, l'église est intéressante, mais on se rappellera du montant à mettre pour venir réparer cette église-là qui n'était pas caractérisée patrimoniale parce que la seule église patrimoniale à Grimby, c'est l'église Sainte-Famille. Donc, comme ville, on a des choix à faire, on a des choix pour répondre aux besoins des citoyens et ce n'était pas un choix qui était envisagé, surtout qu'il y a quelqu'un qui a décidé de l'acheter. Pour la piscine Minor, il y aura bientôt. Euh, une, euh, il y aura bientôt quelque chose qui va venir. Il y a aussi une consultation qui va venir éventuellement pour le parc Miner, donc pour voir ce qu'on souhaite mettre en place au niveau du parc Miner. Donc, euh, on va aviser les citoyens de tout ça. Et pour ce qui est au niveau du marché public, au niveau des toilettes, même s'il y a des caméras, si, si on ne les voit pas en direct ou quoi que ce soit, la personne saccage, elle saccage. C'est fait. Donc, euh, oui, il y a quand même nos gens du service de police qui allaient sur place et tout, mais euh, ça n'empêche pas qu'on avait des enjeux et qu'on travaille avec notre comité de personnes vivant en itinérance pour essayer de, de trouver des solutions à long terme pour nos gens vulnérables. Les gens vulnérables. <coughs> là, vous allez avoir une activité au marché public. Si vous appelez ça encore un marché public, là, ouvert quelques mois par année, c'est une belle structure pour une patinoire extérieure, ça, par contre, ça, c'est très beau. Madame Joanie Martin va faire euh, le dimanche le 26 février, 5, 12, 19 mars, au marché public. Est-ce que les toilettes vont être réparées? Est-ce que, est que ça bouge? Ça fait, des, ça fait longtemps, là. Il a fallu que je vous en parle ici, le 6 février, pour que ça passe dans les journaux, comme quoi c'était fermé et qu'il y a eu du saccage. On n'entendait pas parler. Ça faisait quelques semaines et même plus avant que j'y allais et oui. que c'était fermé. Mais on n'entendait pas parler. Et c'est quoi l'enjeu de ne pas en entendre ici. parler? Il n'y a pas eu de plainte de citoyens. Les gens n'y allaient pas parce que, que l'hiver n'y allait pas. Euh, je ne crois pas qu'ils vont être réparés pour l'événement euh, de madame qui aura lieu très bientôt. Là. Ça ne sera pas réparé pour cette, cette période-là. C'est quoi au juste le saccage qu'il y a eu à l'intérieur? Est-ce qu'on peut le savoir? Un moyen de savoir ce, qu est -ce qui... Le saccage, moi, j'y vais, j'y vais, j'y allais, j'y voyais les gens là, que vous appelez les gens vulnérables là, qui vont là. là. C'est bien triste la façon que c'est géré à ce niveau-là. Là, dans là, le journal, ici, La Voix de l'Est, on parle de patinoires extérieur réfrigérés. Gros coût astronomique, 7 à 9 millions, apparemment, maintenant, à Québec. Là, avec... Vous aviez fait ça, il y a quelques années, c'était à 5 millions.4 de se rendu à 7. Peut-être qu'au lieu de faire comme Monsieur euh, euh, je m'excuse, François Lemay a, a dit peut-être des structures, des structures. En fait, je pense qu'il faut juste faire attention parce qu'il n'a pas été annoncé qu'on allait faire une patinoire non Je sais, l'article le c'est pas annoncé. Je ne veux, veux pas créer d'attente. J'ai dit, je ne veux pas créer d'attente au niveau des citoyens, mais ça peut être une option qui éventuellement sera étudiée par le conseil municipal. Ça ne veut pas dire qu'on va aller de l'avant, mais c'est une option qui existe et qui sera possiblement étudiée dans les prochaines années. Et pour finir avec la piscine Miner, pourquoi ça a été détruit au complet ça? Pourquoi ça a été couché à terre au complet? Il n'y avait plus rien de bon. là. C'était fini, ça, au complet. Là. La bâtisse, les, les structures, les poutres d'acier, c'était fini, ça. Il n'y avait Bien, pas moyen de rien faire avec ça. Hein? À l'époque, lorsque le dossier était regardé en conseil municipal, euh, de l'autre conseil municipal, ce qui avait été vu, c'était que si. Peut-être qu'il y avait encore quelques petites choses qui auraient pu être gardées, mais les coûts pour venir garder ça. Sont, sont, ils étaient plus élevés, qu'il que fallait, fallait détruire, c'est mieux. Puis, il y avait plusieurs parties endommagées qui ne répondaient plus aux normes. Donc, on a sorti le matériel qu'on pouvait garder, puis le reste a été euh, démoli. En tout cas, j'espère que les projets qui vont se faire là, vous allez consulter la population savoir savoir ce qu'on veut vraiment, pas juste le conseil, parce qu'une ville, ce n'est pas juste un conseil, c'est plusieurs personnes. Alors, je vous souhaite, en passant... Je vous souhaite bonne retraite, Monsieur Pinault. Euh, vous allez prendre votre retraite bientôt, alors je vous le souhaite maintenant. Bonne retraite. Vous êtes le, le bras gauche et le bras droit de la ville, je suis presque sûr. Bonne journée, bonne soirée. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Sinon, on ira avec les questions par courriel. Maître Meunier. Oui, donc une première question de M. Pierre-Albert Morin qui vous dit... Pardonnez-moi. Donc, euh, bonsoir, Madame la mairesse, Mesdames les conseillères et Messieurs les conseillers. Dommage que je ne puisse me déplacer ce soir, légère grippe. J'ai remarqué, après avoir déambulé sur la rue principale, autant à pied qu'en auto, que les automobilistes sont comme euh, très mélangés par la nouvelle configuration de cette rue. Je comprends que les nouveaux poteaux viennent d'être installés, que les affiches ne sont pas encore placées, mais euh, pourquoi ne pas se servir de cônes orange pour indiquer aux automobilistes de ne pas se stationner aux endroits? Où ils empiètent sur la place des piétons. Oui, euh, merci Monsieur Morin. Effectivement, euh, j'ai vu, vu ça moi aussi dans les dernières euh, semaines. On va s'assurer euh, qu'il qu y ait des affiches, soit de non stationnement, là, euh, qui soient bien indiquées euh, pour, euh, pour les citoyens, ces citoyennes, sachant qu'ils ne peuvent pas se stationner à ces endroits-là, effectivement. Là. Donc, on va s'assurer d'avoir une, signa, une signalisation qui est adéquate. Merci beaucoup du commentaire. Donc deuxième question toujours de Monsieur Morin. Alors euh, qu'est-ce qui se passe avec nos tableaux électroniques qui sont à, mo à mon avis en fin de vie ou mal réparés On a souvent des problèmes à y lire euh, les messages quand ils fonctionnent. Oui effectivement euh, les panneaux sont rendus pas mal en fin de vie. Il y aura des investissements majeurs qu'il faudra faire possiblement dans les prochaines années donc on est à regarder le tout. Donc je n'ai pas d'autres questions. Merci beaucoup. Donc, on va continuer avec, euh, avec euh, l'ordre du jour habituel. Puis, comme à l'habitude, il y a toujours une deuxième période de questions des citoyens et citoyennes à la fin. Donc, euh, vous pourriez soit vous présenter au micro ou envoyer une question par courriel à questions au pluriel à commercialgrimbé.ca. Donc, point 3.1, point approbation du procès verbal du 6 février 2023 proposé par M. Dion, appuyé par Mme Tremblay. 3.2.1, demande de dérogation. Monsieur Goulet. Merci, Madame la mairesse. Bonsoir à tous. Euh, considérant la recommandation du comité consultatif d'urbanisme à l'effet d'autoriser cette dérogation mineure, euh, il est proposé d'accorder la demande de dérogation mineure pour les propriétés situées au 246 à 248 rue Moline, de façon à autoriser deux futurs lots d'une profondeur jusqu'à 27,43 mètres, lesquels sont destinés à une habitation bifamiliale isolée, et à la construction d'une habitation unifamiliale isolée, considérant qu'en vertu de la disposition du règlement, il est établi que la norme est de 32 mètres. J'en fais la proposition. Merci beaucoup, M. Goulet. Donc, nous sommes présentement en Assemblée publique de consultation. Les citoyens qui souhaitent intervenir sur ce point peuvent venir au micro ou envoyer une question par courriel. Donc, on part du 246 à 248 rue Mullen. Est-ce qu'il y a des questions par courriel? Il n'y a rien. Donc, c'est proposé par M. Goulet, appuyé par Mme Rowe. Maintenant, 5.1, demande de collecte de matières résiduelles. Monsieur Lacasse. Alors, bonsoir à tous à la maison. Considérant que la MRC de la haute yamaska après avoir pris connaissance des lieux et vérifié adéquatement les équipements euh, de son fournisseur de services, se dit être en mesure d'offrir la collecte de toutes les matières résiduelles, y compris les résidus organiques, aux résidents du parc Fontainebleau. Alors, pour poursuivre, je propose de faire ajouter à compter de janvier 2023 les adresses des occupants du parc Fontainebleau à la liste des logements devant être desservis par la collecte des matières résiduelles fournies par la MRC de la Haute-Yamaska selon les modalités du contrat en cours et d'inclure la taxe des matières résiduelles selon le taux en vigueur en 2023 au compte de taxes foncières des occupants du parc Fontainebleau. Alors c'est sûr que oui, c'était pour le mois de janvier, mais on vient de l'adopter aujourd'hui. Alors ça va être à partir de maintenant. Merci beaucoup. J'en la proposition. Merci beaucoup, M. Lacasse. C'est appuyé par M. Vincent. Maintenant, 5.2 concernant une directive de changement. M. Vincent. Merci, Mme la Mérès. Bonsoir à tous à la maison. Il est ici de ratifier les travaux supplémentaires pour la modernisation des équipements d'approvisionnement en eau brute adjugé à la groupe à l'agence infrastructure In, et d'accepter les directives de changement numéro 1, 2, 3, 4, 6 et 7 Concernant des, euh, des quantités ajoutées ou retranchées du, au bord de, route de soumission des travaux supplémentaires ou autres réalisés. Et entraînant une augmentation de 34 681 et 3 sous, plus les taxes applicables. J'en fais la proposition. Madame la mairesse. Merci beaucoup, s'appuier par M. Dionne. Maintenant, 5.3 concernant une réception définitive. M. Lemay. Merci, madame la mairesse. Donc, après toutes des considérations, il est proposé d'accepter. La réception définitive des travaux dans le cadre du projet de construction du centre aquatique de Grenbey. J'en fais la proposition. Merci beaucoup. S'appuyer par Monsieur Riel. 5.4. 5.4.1. Entente relative aux conditions et modalités d'octroi d'une subvention. Donc M. Riel. Merci Madame la mairesse. Bonsoir à tous. Considérant que le service de police reçoit plus de 1000 appels par année en lien avec la santé mentale. Considérant que la ville de Grenbey souhaite adapter ses pratiques en, en créant au sein de son service de police le projet Unir, dont le mandat spécifique consiste à travailler sur le terrain en résolution de problèmes auprès des personnes vulnérables, des gens d'affaires du centre-ville et des jeunes en milieu scolaire, ainsi qu'à se rapprocher davantage des organismes communautaires et à différentes communautés culturelles. Considérant que le ministère de la Sécurité publique a donné son approbation pour financer le projet UNIR jusqu'à concurrence de $253 950 pour les années 2023-2024, je propose de conclure une entente relative à l'octroi d'une subvention maximale de $253 950 pour la réalisation du projet UNIR. En 2023 et 2024, avec le ministère de la Sécurité publique. Merci beaucoup. S'appuyer par Mme Baudin, il y aura éventuellement plus d'informations euh, qui vont venir par rapport à ce beau projet-là euh, de l'équipe du service de police, possiblement une conférence de presse au mois de mars, si je ne me trompe pas. Donc, au niveau du 6.1, renouvellement d'entente, Mme Tremblay. Oui, bonsoir à tous. Il s'agit de renouveler l'entente conclue avec Belle Mobilité INC concernant la location d'espace pour l'installation d'antennes et un répéteur dans le but de transmettre et recevoir des communications sans fil pour l'ensemble des usagers des locaux du Centre sportif Léonard Grandin pour un terme additionnel d'un an, soit jusqu'au 31 mai 2024. J'en fais la proposition. Merci beaucoup, S'appuyer par M. Goulet. 6.2, euh, dénonciation Société canadienne de la Croix-Rouge, M. Lemay. Merci, Mme la mairesse. Donc, après étude des considérations, il est proposé de dénoncer l'entente conclue avec les la Société canadienne de l'Aquarouge Rouge dans le cadre du partenariat en formation concernant la natation et la sécurité aquatique et d'y mettre fin en date du 31 mai 2023. J'en fais la proposition. Merci beaucoup. S'appuyer par M. Gillard. Donc, 6.3, étude et adjudic adjudication du contrat pour un mandat de service professionnel pour l'élaboration d'une politique d'habitation. M. Goulet. Je vais dire comme vous, Madame la mairesse. <laughs> Alors donc, euh, il est proposé d'adjudier le contrat pour un mandat de service professionnel pour l'élaboration d'une politique d'habitation pour le service euh, d'aménagement et de protection du territoire aux soumissionnaires conformes ayant obtenu le meilleur pointage final en fonction des critères de qualité et de prix, soit BC2, groupe Conseil Inc., pour un montant total taxe incluse de 84 506 dollars et 63. J'en fais la proposition. Merci beaucoup, Sapie, par M. Riel. Donc, 6.4, c'est concernant l'adjudication du contrat pour la fourniture et l'installation de lignes de vue au Palace de Grimbé. Madame Tremblay. Oui, il s'agit de rejeter la soumission de construction Turco-INC étant non conforme aux exigences prévues au plan et de et d'adjuder le contrat pour la fourniture et l'installation de lignes de vie au Palace de Gramby, deuxième demande, au plus bas soumissionnaire conforme, soit simota inc pour un montant total taxe incluse de $430 397. Et 42 sous. J'en fais la proposition. Une ligne de vie, c'est quoi? C'est vraiment un, un dispositif là, de sécurité qui permet, quand il y a les décors, justement, que les gens s'attachent pas qu'il y ait de chutes et d'accidents. Fait que si ça vous intéresse de savoir ça, c'est quoi une ligne de vie? C'est ça. J'en fais la proposition. Merci beaucoup, Madame Tremblay. Effectivement, c'est très important pour la sécurité de nos techniciens au palace. Donc, c'est appuyé par M. Dionne. 6.5, concernant l'étude et la justification du contrat pour la fourniture et la livraison d'articles de bureau et de cartouches d'impression, Madame Rowe. Alors, bonsoir. Il s'agit de conclure le contrat pour la fourniture et la livraison d'articles de bureaux et de cartouches d'impression pour une période de deux ans au plus bas soumissionnaire conforme, soit Bureau Procitation Inc. pour un montant total estimé, taxes incluses, de 105 680 et 16 sous. J'en fais la proposition. Madame la mairesse. Merci beaucoup, c'est par M. Lacasse. Maintenant, 6.6, approbation des critères de sélection et pondération pour un mandat de service professionnel en ingénierie pour la réalisation d'études préliminaires ainsi que de plans et de vies préliminaires pour la construction d'une nouvelle réserve de distribution d'eau potable à la centrale de traitement d'eau potable. M. Vincent. Merci, Mme la mairesse. Il est ici d'approuver les critères d'évaluation et de pondération du contrat pour le mandat de service professionnel en ingénierie. Pour la réalisation d'études préliminaires ainsi que les plans et devis préliminaires pour la construction d'une nouvelle réserve de di distribution d'eau potable à la centrale de traitement des eaux potables. J'en fais la proposition, Mme la mairesse. Merci beaucoup. S'appuyer par M. Dion. 7.1, transfert de crédit budgétaire, M. Giard. Donc, oui, bonsoir à tous. Il s'agit ici d'autoriser et de ratifier <laughs> les transferts de crédit budgétaire au 31 décembre 2022 du Fonds d'administration vers divers projets d'immobilisation pour la somme de 46 245 J'ai fait la proposition, Mme la mairesse. Merci beaucoup, c'est par M. Lemay. 7.2, modification au protocole dans le cadre de partenariat. Monsieur Lacasse. Alors, cette fois-ci, il s'agit de modifier le protocole d'entente conclu avec l'Université de Sherbrooke relativement au projet Carrefour d'innovation et technologie écologique afin de changer la date d'entrée en vigueur du protocole d'entente à la date de la disponibilité du bâtiment, soit le 1er novembre 2015. J'en fais la proposition. Merci beaucoup, s'appuyer par Madame Baudin. 8.1 Mouvement de main-d'œuvre. Oui, mouvement de main-d'œuvre spécial aujourd'hui. Donc, il s'agit d'autoriser de ratifier la liste des mouvements de main-d'œuvre pour la période du 6 février au 1er août 2023. Et d'annoncer euh, le départ à la retraite euh, de notre directeur général après plus de 22 ans comme directeur général ici à la ville de Granby. Vous comprenez que c'est euh, un grand moment ici pour M. Pinault, mais également aussi pour tout le conseil et toute l'équipe de direction qui euh, a avec M. Pinault. Donc, euh, de prendre acte du départ à la retraite de M. Michel Pinault au poste de directeur général en date du 1er août 2023. Donc, euh, Merci on en fait beaucoup. la proposition, malheureusement. Oui. <laughs> Merci beaucoup, M. Gérard. Effectivement, aujourd'hui, dans le mouvement de main-d'oeuvre, on officialise le départ à la retraite de notre cher directeur général, qui est à la ville depuis 27 ans et 22 ans comme directeur général. Je tiens à souligner que pendant ces années de service, Michel Pinot a dirigé avec sagesse et intégrité. Grâce à son expertise il a pu naviguer avec succès les défis et les opportunités qui se sont présentés à notre ville. Il a travaillé en étroite collaboration avec les employés municipaux et les membres du Conseil municipal pour mettre en place des politiques et des programmes qui ont amélioré la vie de tous. Sous la direction de M. Pinault, notre ville a connu une croissance et un développement sans précédent. Nous avons vu l'expansion au temps de notre parc industriel, l'amélioration de nos infrastructures. Ainsi que l'amélioration de la qualité des services offerts à nos citoyens et citoyennes. Il a toujours prôné l'équité, la transparence et l'honnêteté. Il a encouragé les employés municipaux à donner le meilleur d'eux-mêmes et à travailler en équipe pour atteindre nos objectifs communs. Au nom de tous les employés de la Ville et du Conseil municipal, je tiens à exprimer nos sincères remerciements à M. Pinault pour tout ce qu'il a accompli. Nous, nous vous souhaitons, hein, on vous souhaite bien sûr, une retraite heureuse et bien méritée qui débutera en août prochain. Donc, vous êtes encore avec nous et je compte bien profiter des prochains mois à vos côtés. Donc, merci encore pour tout ce que vous avez fait pour la ville de Grimby et bonne retraite. Donc, on fera d'autres choses au mois d'août. <laughs> soulignez le tout. Un grand merci pour tout, M. Pinot. Secondé par M. Goulet. Donc, point 8.2. Je, je ferai euh, moi-même euh, la proposition. Donc, suite à l'accord unanime du Conseil municipal, je propose de nommer à la direction générale, Monsieur Gabriel Bruno, et je vous invite à venir nous rejoindre à l'avant. Donc, à compter du 1er août 2023, le tout selon les termes et conditions prévus au sommaire. Donc, pour que la proposition tienne avant que je, 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 je dise qui est M. Bruno, c'est secondé par M. Giard. Donc, M. Gabriel Bruno cumule plus de 26 années d'expérience dans les domaines de l'ingénierie et de la gestion municipale. Il a œuvré dans, à l'international dans le secteur privé et depuis les 16 dernières années, il fait carrière dans le milieu municipal. Il s'est joint à l'administration de la ville de Grimby en 2014, d'abord à titre de directeur des services techniques et par la suite à la direction du service de la planification et de la gestion du territoire. Depuis 2019, il occupe le poste de directeur général adjoint. Monsieur Bruno possède un baccalauréat en génie géologique. Le choix du Conseil dans la sélection de son nouveau directeur général repose sur sa volonté d'assurer la stabilité de l'organisation ainsi que sur la grande expertise, les qualités humaines et le pouvoir rassembleur de M. Bruno. Nous avons la chance d'avoir repéré au sein de notre organisation un gestionnaire de grande qualité qui saura assumer les importantes fonctions de directeur général de notre ville. Et c'est avec une grande fierté que nous entamerons ce nouveau chapitre. Nous sommes assurés qu'il possède toutes les qualités pour assurer la mise en œuvre de la nouvelle planification stratégique du Conseil municipal, notamment une connaissance pointue et fine des processus organisationnels et des enjeux stratégiques de l'organisation. Encore une fois, félicitations, M. Bruno. Donc, merci d'avoir encore choisi la ville de Grimby. <laughs> Donc, euh, la transition va continuer à se faire et euh, on est vraiment très choyé d'avoir une équipe, euh, équipe d'exception euh, à la direction. Oui, un, directeur, euh, un directeur général exceptionnel qui quitte, mais on a eu la chance d'avoir quelqu'un à l'interne qui prenne la place et qui est appuyé. Euh, D'ailleurs, euh, les gens l'ont peut-être vu dans la salle, mais euh, la, la majorité des membres du comité de direction sont aussi présents euh, dans la salle ce soir. Donc, très, con, très contente de cette nomination qui est euh, appuyée unanimement par l'ensemble des membres du conseil municipal. Donc, euh, on va continuer à tour du jour. <laughs> 8.3, mesures disciplinaires. Monsieur Giard. C'est pratiquement un moment historique qu'on vient de vivre là, après 27 après 22, ans, 22, ans. 22 ans comme direction générale. On ne vit pas ça à tous les mandats, effectivement. J'avais à peine 8 ans quand c'est arrivé. Pas certaine. C'est quelque mais bon. chose. Je ne pense pas <laughs> de revoir ça de mon vivant. <laughs> Donc, euh, point 8.3, point euh, quelque chose de moins, euh, moins réjouissant un petit peu. Il s'agit d'entériner la suspension avec sol pour fin d'enquête imposée depuis le 20 janvier 2023 et d'autoriser le congédiement disciplinaire de l'employé municipal portant le numéro 4163. Donc, euh, j'en fais la proposition, Madame la mairesse. Merci beaucoup. C'est appuyé par M. Vincent. 9.1. Appui à la demande de subvention du Conseil régional de l'environnement de l'Estrie, Madame Baudin. Oui, merci. Donc bonsoir à tous et à toutes. Donc considérant que ce projet répond à l'action numéro 5 du plan environnement 2020-2023, soit prendre part aux initiatives citoyennes visant le remplacement de certaines surfaces asphaltées ou bétonnées par des surfaces végétales, je propose d'appuyer l'organisme Conseil régional de l'environnement de l'Estrie pour le dépôt d'une demande de subvention au Fonds de développement des communautés pour le projet Sous les pavés. Merci beaucoup, Mme Baudin. S'appuie par M. Goulet. 10.1 en temps de partage de coûts. Monsieur Lacasse. Alors, considérant que le service des infrastructures, des eaux, de la mobilité durable est en accord avec la proposition de partage de coûts estimée à 40.9 payable par la ville et à 59.1 payable par le promoteur pour les travaux d'augmentation de la capacité, excusez-moi, de poste de pompage Marcoux, j'en fais la proposition. Merci beaucoup s'appuyer par madame Tremblay. 10.2 réception provisoire madame Roux. Alors, il s'agit d'accepter la réception provisoire des travaux de prolongement des infrastructures municipales sur la rue des Écuyers, réalisés conformément aux plans et devis. J'en fais la proposition. Merci beaucoup. C'est appuyé par M. Vincent. 10.3, réception provisoire, M. Lemay. Merci, Mme la mairesse. Donc, après étude des considérations, il est proposé d'accepter la réception provisoire des travaux de prolongement des infrastructures municipales de la rue, sur la rue des Écoliers, réalisés conformément aux plans et vie et de décréter ouverte cette rue. J'en fais la proposition. Merci beaucoup. C'est appuyé par M. Riel. 10.4, réception définitive, M. Riel. Je propose d'accepter la réception définitive des travaux de prolongement des infrastructures municipales sur la rue des Écoliers, réalisés conformément au plan de vie. Merci beaucoup. S'appuyer par M. Lacasse. 10.5, réception définitive, M. Lemay. Merci, Mme la mairesse. Après-tu des considérations, il est proposé d'accepter la réception définitive des travaux de prolongement des infrastructures municipales sur les rues du mont brome et du Mont-Saint-Grégoire, réalisés conformément aux plans et de vie. J'en fais la proposition. Merci beaucoup. S'appuyer par M. Gillard. Maintenant, 12.1, Bourse d'engagement social jeunesse, Mme Rowe. Alors, il s'agit de corriger le montant de la bourse d'engagement social jeunesse accordée à Dora Parent Delgadillo pour l'année 2022 qui aurait dû être de 750 dollars plutôt que 500 dollars. J'en fais la proposition madame la mairesse. Merci beaucoup Sapier, par madame Tremblay. 12.2 Abolition des frais de retard à la bibliothèque madame Tremblay. Considérant que la mission de la bibliothèque est de démocratiser l'accès à l'information, à la lecture et aux, et aux technologies, ainsi que de contribuer à l'alphabétisation de la population, considérant que les frais de retard nuisent autant aux abonnés qu'au bon fonctionnement de la bibliothèque, considérant que la pénalité de non-retour, de perte et de bris, et de bris sera conservée. Il s'agit d'abolir les frais de retard de la bibliothèque Paulo-Tripanine-Grembé à compter du 21 février 2023. J'en fais la proposition. Merci beaucoup. C'est appuyé par Mme Baudin. 12.3. Demande d'aide financière. Coalition Impact de rue. M. Riel. Considérant les besoins pour la mise en place du projet filet social pour les, per les personnes en situation de vulnérabilité et d'itinérance en 2023... Je propose de conclure une entente avec l'organisme Coalition Impact de rue visant à rétablir les modalités de verse versement d'une aide financière de 46 735 et 36 sous pour l'année 2022 et de 57 702 et 98 sous pour l'année la 2023 pour la réalisation de sa mission de travail de rue. Merci beaucoup, M. Ries, appuyé par Madame Rowe. 12.4 demandes d'aide financière pour euh, la murale de l'événement Couleur Urbaine. Madame Rowe. Alors, considérant que le projet permet de mettre en valeur une artiste locale, considérant que la murale permettra de faire rayonner et de dynamiser le centre culturel france Bourg et la rue principale, il s'agit d'autoriser la création d'une murale sur le côté avant-gauche extérieur du Centre culturel France-Arbour par l'artiste Zoé Boivin pour souligner le 25e anniversaire de l'événement Couleurs urbaines et d'accorder une aide financière d'un montant maximal de 3 000 à l'organisme vie culturelle et communautaire de crème pour pour l'allocation d'une plateforme élévatrice pour la durée du projet. J'en fais la proposition. Merci beaucoup madame appuyée par madame Tremblay et l'image que vous voyez à l'écran euh, c'est seulement à titre indicatif donc ce ne sera pas la murale finale sur le mur c'est à titre indicatif. Donc euh, 12.5 demande d'aide financière histoire de quartier madame Tremblay. Il s'agit d'accorder une aide financière de 5 000 à l'organisme culturel et communautaire de Granby pour la réalisation, l'animation et la promotion de l'exposition extérieure histoire de quartier au parc Potvin. Si vous permettez, j'aimerais juste faire une petite historique. Ok euh, On avait dit euh, ça venait d'où l'histoire de quartier. Excusez-moi. L'an dernier, bon, j'ai perdu ma page, mais je vais vous dire pareil. Dans trois parcs l'an passé, il y avait eu l'exposition d'une histoire de quartier et les artistes de Granby étaient intéressés à poursuivre. Et c'est la même chose cette année. C'est le parc Potvin qui est a été choisi. Donc, il va y avoir une rencontre suite à ça. Fait qu'un grand merci. Merci beaucoup, Mme Tremblay. Donc, c'est appuyé par Monsieur Dionne. 12.6, euh, demande d'aide financière pour les animations estivales du Centre-ville. M. Dionne. Merci. Bonsoir, tout le monde. Euh, je fais la, proposi la proposition d'accorder une aide financière supplémentaire au montant de 27 000 à l'organisme vie culturelle et communautaire de Grimbé. Pour l'animation du centre-ville à l'été 2023, c'est une somme supplémentaire qui permet de finaliser la programmation estivale qu'on a bien hâte de vous annoncer. Merci beaucoup. Donc, effectivement, on a bien hâte de vous faire l'annonce de l'animation estivale qui va avoir au centre-ville. Donc, c'est proposé par Monsieur Dion, appuyé par Madame Roux. 12.7 demandes d'aide financière. Championnat provincial de gymnastique, M. Lemay. Oui, merci, Madame la mairesse. Donc, après étude des considérations, il est proposé d'accorder une aide financière de 6 918,68 au club de gymnastique Les Hirondelles de Green équivalent au coût de location des surfaces des patinoires A et B du Centre sportif léonard Grondet pour la tenue du championnat provincial de gymnastique du 26 au 28 mai 2023. Je tiens à souligner que c'est la deuxième année consécutive que ça arrive. Ce fut un grand succès l'année passée. J'en fais la proposition. Euh, merci. S'appuyer par M. Lacaz. 12.8 demande d'aide financière pour les activités en lien avec les Journées internationales des droits des femmes. Monsieur Goulet. Euh, merci, Madame la mairesse. Euh, considérant les objectifs généraux de la politique d'égalité visant à sensibiliser la population aux avantages d'une culture d'égalité dans la vie et dans la communauté, euh, c'est avec plaisir que je propose d'accorder une aide financière d'une somme maximale de 1 000 à l'Association féministe d'éducation et d'action sociale, mieux connue sous le nom de AFEAS, pour la tenue d'activités en lien avec la Journée internationale des droits des femmes. J'en fais la proposition. Merci beaucoup. C'est appuyé par M. Lacasse. 12.9. Demande d'aide financière, aide locative, Partage Notre-Dame, M. Dionne. Merci. Considérant qu'il y avait un écart entre l'aide financière accordée en 2020-2021 et le nouveau protocole d'entente qui a débuté en 2023, je fais la proposition d'accorder une aide financière de 20 000 à l'organisme Partage Notre-Dame à titre d'aide locative pour l'année 2022. Merci beaucoup. C'est appuyé par... 2022, c'est vraiment 2022. Euh, S'appuyer par Madame Moreau. 12.10 bilan du plan d'action à l'égard des personnes handicapées 2022 Madame Tremblay. Oui, il s'agit d'adapter le plan des activités réalisées à l'égard des personnes handicapées de Granby pour l'année 2022. J'aimerais juste ajouter que depuis 2005, la ville de Granby produit chaque année un plan d'action à l'égard des handicapés. <coughs> Celui-ci est révisé annuellement par un comité interne composé de différents services de la ville afin qu'il demeure un document dynamique et évolutif. En 2022, 53 actions figurant dans le plan d'action ont été réalisées, 41. Offre de formation, sensibilisation, mieux comprendre la différence pour mieux agir. Soutien à la promotion de la Semaine québécoise des personnes handicapées. Engagement d'une ressource permanente responsable du dossier de l'inclusion des besoins particuliers au sein, au sein du Club vacances jeunesse de Grimbe Et remplacement et ajout de trois feux sonores intersection sur les rues Évangéline principale, Saint-Antoine principale et Dauphin. Merci. Merci beaucoup, Madame Tremblay. S'appuyer par Mme Baudin. 12.11. Maintenant, le plan d'action à l'égard des personnes handicapées 2023. Madame Roux. Alors, après avoir adopté le bilan 2022, je propose d'adopter le plan d'action à l'égard des personnes handicapées de Cremé pour l'année 2023. J'en fais la proposition, Madame la mairesse. Merci beaucoup, S'appuyer par M. Riel. Donc, on va débuter la section réglementation qui est beaucoup plus courte euh, qu'à l'habitude. Donc, on va commencer par le 13.1, Maître Meunier. Oui, bonsoir à tous. Alors, il s'agit donc d'un projet de règlement modifiant le règlement décrétant la tarification de certains services municipaux. Donc, afin de préciser donc que les cours privés offerts au centre aquatique des jardins sont non remboursables et non déplaçables, de prévoir que l'entreprise Sanivac peut utiliser la station d'épuration des eaux usées, donc pour le traitement des eaux qui provient de la location de toilettes portatives au coût de 12 sous plus taxes applicables, donc le galon, et de finalement remplacer. Le nom de service des incendies par le nouveau nom, donc euh, service de sécurité incendie. Alors, il y aurait lieu, donc, ce soir pour un membre du Conseil de donner un avis de motion en vue fait d'adopter un tel règlement de prochaine séance. Ça sera Mme Rowe, 13.2. Oui, avant de résumer, donc les deux prochains points 13.2 et 13.3, je tiens à préciser qu'il va toujours se tenir une consultation euh, citoyenne relative à ces projets. Donc, elle aura lieu donc ici même à l'Hôtel de Ville, euh, mercredi le 22 mars, donc prochain à 18h30. Alors, toute personne qui est intéressée par euh, l'un des projets donc à 13.2 et 13.3 est invitée à se présenter à cette séance. Euh, toujours une capsule vidéo sera également disponible à compter de ce samedi donc euh, 25 février dans la section des avis publics sous la rubrique assemblée publique de consultation alors euh, 13.2 qu'il s'agit euh, cette fois-ci donc d'un projet de règlement modifiant le règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale donc les PIA afin d'assujettir donc le site du parc Miner au contrôle d'un nouveau PIA afin d'encadrer donc tout futur projet sur ce site alors il y aurait lieu ce soir pour le conseil d'adopter le premier projet de règlement de fixer l'assemblée public de consultation, donc au mercredi 22 mars 2023, donc à 18h30, et demeurant toujours entendu que le proposeur donnera également un avis de motion en vue d'adopter un tel règlement à une prochaine séance. C'est proposé par M. Goulet, puis par M. Dionne. 13.3. Oui, donc il s'agit cette fois-ci d'un projet de résolution qui vise à accorder donc, un permis de construction dans le cadre du règlement sur les projets particuliers, donc les PPC-MOI, donc pour la propriété située donc, au 349 rue Bouchard afin de permettre donc, la subdivision du lot actuel donc, en deux lots, dont l'un aura un frontage de 15,46 m et une superficie de 546,80 mètres carrés et d'y permettre donc, sur ce lot euh, la construction d'une habitation bifamiliale isolée, donc d'un duplex. Alors il y aurait lieu ce soir pour le Conseil d'adopter le projet de résolution et de fixer l'assemblée publique de consultation, donc au mercredi 22 mars à 18h30. Je vais demander le vote sur ce je dossier, quand... madame la maire. Je, je vais faire le proposer, l'appuyer bon. puis après j'entends bien votre euh, commentaire, Monsieur Goulet. Merci. Donc euh, proposé par Monsieur Dion, appuyé par Monsieur Vincent, une demande de vote de Monsieur Goulet. Donc on va débuter qui est pour la proposition. Levez la main, je vais nommer vos noms. Donc, M. Vincent, M. Riel, M. Lacasse, M. Lemay, Mme Roux, Mme Tremblay et M. Dionne. Qui est contre? M. Giard, M. Goulet et Mme Baudin. Donc, est-ce que vous souhaitez vous exprimer? Oui, merci pour l'opportunité. Euh, à titre de responsable, siégeant pour, pour représenter le Conseil sur le Comité d'aménagement et protection du territoire, Ma position euh, d'être contre ce PP, c'est moi, est basée sur le fait qu'il y a actuellement un mandat qui a été octroyé pour euh, faire une étude sur la stratégie de densification de la ville. Euh, or donc, je crois qu'il est prématuré d'aller de l'avant à ce stade-ci, et je crois aussi euh, pour les gens qui sont familiers avec le secteur. Euh, que euh, d'insérer euh, des bâtiments euh, avec une signature architecturale de 2024 euh, à, à travers des multilogies qui ont été faites à la fin des années 60, que c'est quelque chose qui, à mes yeux, voit très mal vieillir. Euh, je ne crois pas qu'on se rend service euh, à aller de l'avant euh, en accordant ce genre euh, de permission à la pièce pour faire ce genre de projet-là. Et c'est ce qui explique ma proposition. Merci beaucoup, M. Goulet. Est-ce que, M. Diane, vous souhaitez vous exprimer également? Oui, je vais le faire rapidement. Euh, ça, ça me fait encore plaisir d'être le proposeur pour cette ré résolution-là. Je, euh, je suis d'accord avec mon collègue qu'on est allé de l'avant avec un plan pour la densification. On vient aujourd'hui d'aller avec un plan pour l'habitation. Puis que c'est bien, des fois, d'attendre d'avoir les résultats de, de plans comme ça pour, pour prendre de bonnes décisions. Mais c'est. On parle de plans qui vont prendre plusieurs mois, sinon des, des années, à être terminés et à mettre en œuvre. Puis dans ce cas-là en particulier, le cas qui nous a présenté, on est dans un, un secteur qui est déjà un petit peu disparate, où le zonage permet déjà les duplex, les triplex, les multilogements. Le demandeur était venu nous voir pour une, une dérogation parce que son terrain pour le lotir manquait 2,5 mètres de largeur. On a refusé la dérogation à, à l'époque. Parce que ça l'enlevait euh, de la végétation. Puis il a retravaillé son projet. Il nous revient avec un projet où il y a neuf arbres de plus au total que ce qu'il y a présentement, qu'il y a plein d'arbustes qui sont, qui sont plantés. Euh, il n'y a, a, a jamais rien de parfait, mais c'est un, un projet que je ne vois aucun avantage d'attendre plus longtemps pour euh, émettre un, un permis de construction. Puis je suis d'opinion que le projet qui est proposé il cadre sans problème dans le secteur tel qu'il est présentement. Puis tant mieux, ça nous permet d'ajouter du logement de cette année. Mais comme je dis, il n'y a, a rien de parfait, mais je souhaite que ça aille de l'avant. Merci beaucoup de vous être exprimé. Peut-être juste rectifier un, une petite chose au niveau du plan de densification. Il devrait être déposé en 2023. Donc, ça ne sera pas des années d'attente, là. Mais oui, effectivement. Donc, euh, au niveau des affaires nouvelles, donc on va y aller avec les capsules des conseillers et conseillères municipales. Et municipaux, pardon. Euh, on va débuter avec Mme Baudin. Euh, oui, donc allons-y. Euh, là, je vais juste vous parler rapidement des bénéfices de la, de la déminéralisation, en, donc en lien à ce qu'on a décidé euh, préalablement. Donc en ville et encore plus dans les centres-villes, les étendues d'asphalte sont des obstacles à la percolation de l'eau de pluie. Elles intensifient également les îlots de chaleur et sont de loin. Elles sont loin d'être agréables à l'œil, évidemment. Donc, l'urbanisation a malheureusement contribué à imperméabiliser les sols, si bien que jusqu'à 55% de l'eau de pluie tombée en ville finit directement dans les égouts ou dans les cours d'eau. Donc, cela vient augmenter inutilement les quantités d'eau usée traitées par la station d'épuration ainsi que les surverses. Donc, arracher du bitume pour le remplacer par des espaces végétalisés ben, comporte plusieurs bénéfices. Les opérations de déminéralisation constituent une mesure d'adaptation au changement climatique, car on sait que ces derniers provoquent déjà une augmentation de l'intensité et de la quantité des précipitations. En plus de rafraîchir l'air en diminuant la superficie des îlots de chaleur, la déminéralisation permet de mieux gérer les eaux de ruissellement et de favoriser la recharge de la nappe phréatique. En verdissant ces espaces, on aide la biodiversité à s'installer davantage en milieu urbain. Il y a également un autre avantage sur le plan social. Cette fois-ci, ce genre d'action permet aux citoyens d'un quartier de s'impliquer dans le processus en soumettant des idées par rapport aux problématiques ciblées, mais aussi en mettant l'épaule à la roue, car ce sont eux qui sont invités à casser du bitume, puis à participer à l'aménagement du site déminéralisé pour, en fin de compte, mettre une dose d'esthétique dans un quartier et pourquoi pas créer un bel espace. Espace de socialisation. Merci. Merci beaucoup, Mme Baudin. Euh, maintenant, Mme Tremblay. Oui, moi, je vous, je vous ramène tout de suite ma petite culturelle là, au GVI. Le 2 mars au 2 avril aura lieu chez Boréat Christine Marchand aux saisons réciproques. Le vernissage aura lieu le 5 de mai. Ensuite de ça, la bibliothèque du 12 au 25 février, c'était la semaine des bibliothèques. Donc, je vous invite encore à visiter la bibliothèque et à participer au grand concours à la recherche des billets d'art. Okay. Et du 25 février au, 7, au 5 mars, le Centre d'interprétation vous invite de la nature. Il y aura les secrets des animaux en hiver, le rallye étonnant de nature, profiter de la nature en ski de fond. Et pédaler sous la, sur, sur la neige et naturellement nourrir les, messa, les, les mésanges. Excusez. Et je, te, je voudrais terminer par des félicitations. Nous avons ici la revue actuelle. C'est une revue qui est distribuée au, au Cercle des fermières à travers le Québec. Et il y a une dame, Madame Hélène Auger du Cercle de Saint-Eugène-de-Grembé qui a tricoté plus de 150 bonnets de bébé ainsi que des chaussons pour Holo et l'hôpital de Grimbé. Donc, merci beaucoup, Mme Hélène Auger, pour votre grande générosité et tout votre temps. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Mme Tremblay. Donc, je laisserai maintenant la parole à Mme Rowe. Alors, euh, je vais vous parler de la semaine de relâche. Donc, euh, la semaine de relâche qui se déroulera euh, du 25 février au 5 mars prochain. La Ville vous propose, en collaboration avec de nombreux partenaires, là, une série d'activités qui sont gratuites pour les enfants et les familles. Donc, je vous invite à consulter là, les programmations respectives de chacune de nos installations municipales. Donc, euh, la bibliothèque Paulo-Trépanier, où se déroule euh, à tous les jours, à plusieurs heures de la journée, euh, une diversité d'activités. Ensuite, euh, le Centre d'interprétation de la nature du lac Bovin organise un rallye euh, étonnant de nature. Donc, entre 8h30 et 16h30, vous pouvez vous présenter euh, sans réservation de place, sans inscription. En terminant, euh, vie culturelle et communautaire, là, une activité ponctuelle mardi le 28 février en matinée euh, chez Boréard. Donc, un mandala euh, collectif géant sera euh, proposé pour les enfants âgés de 7 à 13 ans. Donc, encore une fois, inscription sans inscription et euh, sans frais également. Puis, euh, puisque nous avons le souci de toujours mieux répondre aux besoins de nos citoyens et citoyennes euh, de tout âge, ça va me faire plaisir euh, d'accueillir et d'entendre vos euh, suggestions pour euh, la prochaine année. Donc, des suggestions qui sont dans nos champs de compétences municipaux et qui vont nous permettre de bonifier notre offre d'activité à la population. Merci. Merci beaucoup. Donc, on irait maintenant avec M. Girard. Oui, capitule ressources humaines. C'est sûr, je suis un peu dépourvu euh, ce soir parce que, j'ai toujours vendu la ville de Granby. assez d'attirer de nouveaux talents en disant que tu n'as pas travaillé pour M. Pinault, <laughs> puis comment qu'il n'as pas été chanceux, puis bien traité, puis là, tout ça. Mais là, ça Là, je ne peux plus dire ça. Là, là j'étais un peu pris au dépourvu. Mais là, peut-être vous en pas. Je vois quand même là, les directeurs les, dans, dans la salle qui sont là pour euh, compenser le départ de M. Pinault. On a la venue de M. Bruno également. Vous allez être en bonne main. Donc, ça reste toujours des positions de choix à venir travailler à la ville de Granby. Puis on prépare aussi euh, le printemps. On est toujours un, un coup d'avance, qu'on pourrait dire, mais on a plusieurs postes à combler déjà pour le printemps. Donc, euh, je commence avec administrateur de réseau. Euh, donc, le poste est ouvert jusqu'au 22 février. Secrétaire du service de l'aménagement et de la protection du territoire. Agente et agent en ressources humaines. Euh, arboriculteur, arboricultrice. Donc, un, un poste régulier et deux postes temporaires. Journalier, journalière. Plusieurs postes temporaires pour la saison estivale. Préposer et préposé, c'est la même euh, consommation. Donc, au parc et espace vert, plusieurs postes temporaires. Il y a également aussi les emplois étudiants, technicien et euh, technicienne en traitement de l'eau pour la centrale de traitement des eaux et la station d'épuration des eaux et patrouilleur, patrouilleur pour la division permis et inspection. Donc, euh, si euh, vous voulez venir tra travailler à la ville de Grêmbé. Vous pouvez postuler directement en ligne sur le site de la Ville de Gramby. Et c'est la seule façon aussi de postuler. C'est vraiment passer par notre site Web. Donc, bienvenue à tous dans notre grande organisation. Et euh, tout un nouveau lancement avec un nouveau directeur général. Merci. Merci beaucoup, M. Girard. Et on termine les capsules avec M. Lemay. Merci, Mme la mairesse. Donc, euh, beaucoup d'événements, comme euh, mes collègues l'ont mentionné, excusez la voix qui s'en va en décrescendo. Donc, euh, Festival du sport à Granby qui a été remis suite à des intempéries la semaine dernière à cette fin de semaine, 25 février, du, de 10h à 16h au parc Daniel Johnson. Ça va en quelque sorte lancer euh, la semaine de relâche. Je vous invite aussi à aller voir sur le site de Granby Multisport, On Bouge à la relâche, pour voir la multitude d'activités que GMS a organisées, au, autant à l'extérieur euh, que par exemple au centre Léonard-Grondin. Euh, parlant du centre Léonard-Grondin, je voudrais remercier. Et féliciter euh, les bénévoles, les acteurs du tournoi international Bantam de Granby, qui s'est terminé hier avec un 200e match euh, des équipes euh, d'Europe, de, de partout en Amérique du Nord. Un superbe tournoi. Et je tiens à souligner l'importance des bénévoles, mais aussi de Eric Plante, qui a été désigné, à juste titre, bénévole de l'année pour le tournoi. Donc bravo, Eric. Superbe, superbe travail. Et pour terminer avec du hockey féminin, cette fois-ci, euh, souligner Elisabeth Bergeron. Qui joue pour les gouverneurs de Massévanier et qui a participé au tournoi international puis de Québec dans l'équipe de la championne olympique Caroline Wallet euh, contre des équipes de garçons elles ont très bien fait donc félicitations Elisabeth superbe parcours à Québec voilà merci Madame la mairesse. merci beaucoup Monsieur Lamy donc effectivement très beau euh, tournoi euh, bantam euh, donc, euh, nous sommes rendus à la deuxième période de questions des citoyens et des citoyennes. Donc, c'est des gens dans la salle qui ont des euh, questions. Vous pouvez vous présenter au micro. Euh, sinon, vous pouvez toujours envoyer des questions par courriel, comme à l'habitude, à questions plurielle à commercial .ca. Rebonsoir. Bonsoir. Euh, c'est des questions concernant la rue principale. L'audio, j'ai passé. C'était la journée des vidanges, c'était plein de poubelles sur la piste cyclable. Quand vous voulez stationner, qu'est-ce que vous faites? Vous arrêtez votre auto dans la rue, débarquez, poussez les poubelles, stationnez, replacez les poubelles. C'est quoi la procédure? Les poubelles étaient sur la piste cyclable. Mais le le tour stationnement... ne se stationne pas sur la piste cyclable, mais vous voulez dire normalement, faut qu'ils se mettent, les, les poubelles et les, 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 les recyclages et tout ne doivent pas se mettre vis-à-vis -vis des stationnements. Pas vous stationnement. C'était pas vous avez. Bien. En tout cas, c'était sur la piste cyclable. L'autre question, j'ai vu aussi à un moment donné un camion de déménagement. Il était stationné à cheval sur la piste cyclable, puis l'autre moitié dans la rue. Fait que la, la circulation se faisait en alternance. Mais que ça vienne le temps de, de déménagement, là, qu'est-ce qui va arriver? Parce qu'un camion de déménagement, en bas d'après moi, une heure, deux heures, là, ça, ça fait quoi le job, là. Ça va être là, là. Oui. Ah, autre... Mais, en fait, il y a tout ce qu'on a regardé, lorsqu'il y a des livraisons dans les magasins et tout, on s'est tout assuré qu'au niveau des livraisons des magasins, tous ces points-là que ça se passe comme il faut. Euh, normalement, en arrière leau ou sinon, il y a des endroits qui sont mis euh, à disposition. Puis euh, c'est sûr qu'on y, y a on va s'adapter, euh, on va s'assurer que les gens respectent euh, les règles et tout. Mais moi, moi j'ai vu un camion de déménagement sur la Grande Rue, là. Sans piste cyclable, puis, il était là. Euh, une autre question. L'arrosement, l'arrosage des fleurs. Allez-vous faire ça la nuit <coughs> Parce que le camion qui arrose, il arrête, il arrose, il va tout euh, quoi, bloquer un trafic dans un champ puis dans l'autre. Est-ce que ça va se faire la nuit ou Ben là, j'ai pas, euh, pas, pas d'indication à ce niveau-là. Mais le camion qui arrose les fleurs, euh, je ne sais pas, il arrête souvent. Mm -hmm. Mais on s'assure au niveau du centre-ville, sachez. Euh, il y a, a, euh, a peut-être des choses que oui, il va falloir qu'on s'adapte, tout le monde. Les, euh, oui, les, gens, les gens, les cyclistes, les gens à pied, les automobilistes. Puis on va s'assurer que tout se passe pour le mieux pour l'ensemble des utilisateurs. Mais je crois que ce serait mieux de prévoir à l'avance, pas, pas d'attendre. Oui, merci. Euh, une autre question <coughs> concernant le, au coin de Corbusier, de ouest mm -hmm. Les autobus. Parce que là, avant ça, il y avait une rue qui était très large, ça tournait bien. Là, on a fait, moi, j'appelle ça des coins de rue en noir. Vous devriez aller vous asseoir là le matin, pas, pas sur le trottoir, parce que vous allez vous faire écraser par les autobus scolaires. Ils ne sont pas capables de tourner, c'est trop, trop étroit, et puis ça tourne trop... Euh, à l'angle carré. Vous savez, c'est un secteur scolaire, donc c'est sûr qu'on veut s'assurer de protéger nos piétons qui vont à pied à l'école et le chemin emprunté est de Nissan via Simons pour se rendre correctement à l'école GH Leclerc. Je Pensez que tous les autobus scolaires vont passer par là. Moi, j'en ai vu qui passaient par de Corbusier et puis... Les roues arrière sur le trottoir, des fois c'est les roues avant sur l'autre trottoir parce qu'ils ne peuvent pas tourner. Mais avant ça, ils pouvaient parce que la rue était large. Non, on a fait un Mais c'est un secteur scolaire. Il y a des gens, il y a des jeunes qui sont à pied, puis on veut protéger les piétons. Donc on met les rues comme ça et le chemin qui devrait être utilisé est par Denison et Simons. Je pense que ce n'est pas tout à fait la bonne méthode. Les rues de l'autobus passent sur le trottoir, ça ne protège pas tellement les enfants. En tout cas, c'était mon opinion. C'est bon, bon. Merci, merci. merci de m'avoir écouté. Bonne merci. Soirée, bonne retraite, M. Pinault. Je suis à la retraite, on y vient. Vous, vous allez pouvoir venir parler au micro ici. Là, ça va être bon. <rire> <rire> merci beaucoup. Oh, bonsoir, Mme euh, Bourdon, Mesdames et Messieurs. Bah, euh, J'aimerais bien dire à Monsieur Pinot, on peut critiquer X, Y et Z, mais dans les lettres de l'alphabet, il y a 26 lettres. Donc, je peux dire les premiers 23 lettres. On peut reconnaître le travail de Monsieur Pinot. Je l'ai rencontré en plusieurs fois. C'est un euh, 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 Monsieur c'est un grand démocrate. Il reçoit, il écoute, il agit. Mais comme j'ai dit. On peut critiquer X, Y, Z, mais on peut féliciter de A jusqu'à X pour être un peu intègre. Et je félicite M. Brino aussi pour son nouveau poste. Et comme on dirait comme vous m'avez écouté, Madame Bourdon, le voilà un ingénieur comme directeur général. Je suis vraiment très content et c'était ma demande. On peut être. <laughs> On a l'intuition et on a commencé à comprendre comment ça marche la cartographie ici à Granville. Donc, euh, voilà. Et donc, euh, oui, peut-être, Madame Bourdon, que j'ouvre plusieurs fronts. Et c'est contre moi, oui. Mais parfois, c'est la faute à la démocratie. On est protégé par la démocratie. Donc, on, on, on s'exprime. Et donc, euh, voilà. Euh, la police, ils sont dans la salle, Madame Bourdon. Et euh, comme M. Riel il sait, moi, je suis comme Galilée. Galilée, il a démontré que la terre, la terre tourne et l'Église lui a dit si tu ne retournes pas de tes idées, on va te pendre. Et il a dit malgré tout, tu tournes. Ça veut dire il est avec ses idées. Ça veut dire que Galilée il est avec ses idées, malgré même si tu le pendes. Donc, il est convaincu de ses idées. Donc, je suis pareil comme Monsieur Galilée pour mes idées. j'ai peur de personne et je ne suis pas un lèche-botte non plus. Pourquoi j'ai fait cette introduction pour remercier Monsieur Grandin qui est ici à la salle, depuis qu'il est à la tête, j'ai dit que j'ai peur de personne, je suis pas un lèche C'est pour ça que j'ai fait, je suis Galilée. Et donc quand je remercie, ça sort du cœur. Donc c'est pas par peur ou c'est pas par. Donc dans le passé, il m'a reçu deux fois dans une salle de conférence. Comme voilà, je le remercie pour cette courtoisie et pour cette élégance. Et aussi, avec euh, leur modèle, là, le projet Unir, ça veut dire euh, Grandin, ils passent euh, peut-être de la répression à l'éducation. On est content, on est devenu un modèle ici à Granby. Donc, Effectivement, on a un très bon service de police dont on doit être fier, euh, les grands biens, grands biens. Donc, c'est ça. Et aussi, je suis impressionné par leurs activités. Donc, ils ramassent l'argent pour des causes. Alors, moi, je lance un appel pour les associations et les organismes. Pourquoi pas apprendre de, de la police de Granby et faire des activités, des débats, des séminaires, etc. Et ramasser de l'argent et laisser le contribuable euh, tranquille. Aussi, je vous remercie aussi pour le réservoir de l'eau. Donc, c'était dans mon projet aussi électoral. Et donc, là, vous l'avez fait, Madame Bourdon. Je suis content de servir. Je ne suis pas en train de faire la campagne électorale, je n'ai pas un agenda, parce que si j'ai un agenda politique, je ne serai pas euh, à ce niveau-là de critique. Et donc, je vous remercie, madame, pour ce cette, euh, réservoir d'eau. Donc, ça va aider beaucoup la ville. Et euh, je vous remercie. Je vous remercie aussi, mesdames et messieurs les élus, pour le débat de ce soir. C'est ça ce qu'on attend de vous. Parce que sinon, nous, on ne serait pas là s'il si y a des débats. Donc, il y a des personnes qui étaient écoutées. Étaient pour, il y en a qui étaient contre pour le projet de tout à l'heure on argumente, donc on attend de vous ce débat là, mais c'est pas être tous d'accord peut-être c'est contre la ville mais on n'attend pas de vous que vous soyez bien d'accord entre vous nous, non nous on attend des projets on attend des débats mais euh, madame Bourdon on critique, et on critique haut et fort et aussi on s'est félicité Jawad kabi n'est jamais contradictoire mais je suis l'homme réversible <laughs> Je crois à l'équilibre chimique. On peut aller, on peut revenir, on peut critiquer, on peut remercier. Et donc, vous êtes notre fierté. Donc, il des gens, ils sont sympas qu'on qu discute avec eux. Mais quand il y a des gens à critiquer, on critique. Mais la ville de Granby, il est en train de prendre un chemin de référence. On est fiers, madame. Euh, Peut-être là, les médias ne seront pas contents, madame Bourdon. Je vois Madame Tremblay de temps en temps, faire fait la publicité aux médias. Il dit aux citoyens à liser, lire les journaux, etc. La question que je pose puisque c'est vous qui faites la publicité aux médias, pourquoi vous les payez alors pour des publicités si les citoyens ne suivent pas ou ne lisent pas les journaux de Grimby C'est aux journalistes. D'améliorer la qualité de leur information. On a besoin, personne, moi, je suis en, en tant que citoyen. Vous les payez avec le contribuable. Nous sommes le contribuable et on a le droit de critiquer vivement la démocratie. Alors, je vois que vous les donnez 100 000 dollars par année au plus, et de temps en temps 4 000 dollars, 5 000 dollars. les MRC aussi. Peut-être les organismes qui reçoivent de l'argent de vous aussi. Donc, on a besoin des médias indépendants et on n'a pas besoin des agences publicitaires. Je sais que j'ouvre plusieurs francs, mais on peut se mettre journaliste contre journaliste, on peut aller journaliste indépendant contre journaliste, je ne sais pas quoi. Je vais répondre à votre mais question. Est-ce que, madame, la question elle est claire maintenant, est-ce que vous pouvez lancer euh, une consultation publique si on est d'accord avec tout, ce, tout cet, cet argent-là que vous donnez aux médias Est-ce que vous pouvez passer aux consultations publiques pour savoir parce que Non. Moi, je rencontre des gens dans la rue, ils ne sont pas d'accord. Ah, Bien, écoutez, il n'y aura pas de consultation publique à savoir si on veut informer les citoyens, puis les moyens qui sont utilisés pour informer les citoyens. On utilise différents moyens, que ce soit les sites Web, que ce soit les différents médias. On doit rejoindre les citoyens euh, pour les informer de ce qui se passe. Donc, c'est un moyen de communication qui est utilisé. Mais vous êtes un peu, c'est comme contradictoire. Vous avouez que les citoyens ne lisent pas ces journaux? Et vous êtes en train de les faire des publicités gratuites ici, on est en direct à ma TV et aussi sur votre site, ça reste sur votre site. Donc vous êtes en train de les faire des, 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 de la publicité. Vous êtes en train d'avouer qu'ils sont pas suivis par les citoyens et vous les payez non, pour vos publicités. Non, je ne pas sont pas suivis. J'ai dit c'est un moyen de communication avec nos citoyens. Ouais. Puis soyons fiers d'avoir des médias locaux parce que dans une démocratie, les médias c'est important. Voilà, ouais, c'est ça. Mais, donc voilà. Euh, oui, oui, Avez-vous on... une autre question ben Oui, madame, allez-y doucement avec moi parce qu'il y a la commission des municipalités du Québec. Et vivement la démocratie. Oui, j'ai des questions, madame. Et j'ai le droit de m'exprimer en respirant sans avoir peur. Voilà. Et donc, si on est en train de lancer des fleurs pour les médias pour un but électoral au futur, madame Bordon, on ne sait jamais ce qu'il nous réserve le futur. Peut-être qu'il y aura un candidat athlète ici à Granby. Et même, euh, voilà, ça c'est juste un, un clin d'œil. Donc, c'est l'argent du contribuable. Moi, j'ai dit que ben, ce sera euh, bon ou ce sera le temps de, de lancer une consultation publique si on est d'accord avec l'argent qui reçoit ces médias. Et merci. Merci. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Sinon, on va aller avec les questions par courriel. Est-ce qu'il y a des questions par courriel? Oui, donc une question de M. Pierre-Albert Morin. Donc, euh, suite à l'intervention de M. Parent, pourquoi l'ancienne piscine Miner n'a pas été restaurée afin d'établir le marché public quatre saisons, surtout sachant que le marché public actuel nous sert à peine deux saisons et qui nous a coûté une fortune qui aurait pu euh, y être investie pour remettre cet établissement en fonction au lieu de le détruire comme ce fut fait? Parce que l'endroit de la piscine Manor ne pouvait pas accueillir de marché public à l'intérieur, il fallait le démolir. Et l'endroit qui a été privilégié par, euh, par les gens qui. Euh, qui, qui par le conseil municipal de l'époque, par les gens qui utilisent le marché public, par euh, aussi les participants du marché public, par les commerçants du centre-ville. C'est cet endroit-là qui avait été privilégié. Euh, C'est le cœur de notre ville. Puis euh, la place du marché public sert aussi d'animation à l'année pour d'autres choses. Donc, on est vraiment très fiers d'avoir cette place-là au centre-ville. Pas d'autres questions? Pas d'autres questions? C'est bien parfait. Donc, euh, je vais, on va lever la séance. Donc, euh, lever la séance proposée par M. Vincent, puis par M. Riel. Merci à tous et bonne soirée.